pas. Ce matin, place Saint-Pierre, au cours de la messe célébrée par le pape, cette image d'une petite fille chargée de fleurs qui vient les offrir à Jean-Paul II. Image qui symbolise autant qu'une autre ce printemps de l'espérance que représente pour les chrétiens la résurrection. Dans son message pascal, Jean-Paul II s'est adressé au Christ ressuscité qui accueille, a-t-il dit, toutes les plaies douloureuses de l'homme d'aujourd'hui, victime de la faim, de la guerre, de la torture, réfugié, prisonnier, chômeur et les victimes de l'oppression des consciences. Nous sommes avec vous, leur a dit le Saint-Père. Dans le mystère pascal, Dieu est vainqueur du péché, du mal, de la mort, de la haine. Puis, le pape va adresser au monde sa bénédiction. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jean-Paul II a évoqué aussi le séisme qui a ravagé la cité de Popayán en Colombie. Là, les cloches de Pâques n'ont pas sonné, elles sont brisées. Tout comme 60% des constructions de la ville. Les 200 000 habitants sont encore sous le choc. 200 morts, 1 500 blessés, 50 000 sans-abri. À côté, la ville de Caribio, 30 000 habitants, a été, elle, rayée de la carte. Triste fête de Pâques. Sur la colline de Jérusalem, où s'élève la basilique du Saint-Sépulcre, là où le Christ est ressuscité il y a 1950 ans, plusieurs centaines de pèlerins ont suivi les cérémonies de Pâques. Des pèlerins plus nombreux que l'an dernier où la tension en Cisjordanie avait découragé beaucoup de gens. À Jérusalem, Pâques a été surtout catholique cette année, car les autres rites orthodoxes et orientaux ne fêteront la résurrection que dans un mois.